Bonjour et bienvenue, on est reparti. Deuxième vidéo sur... Après la fin de God of War, Ragnarok. On retourne à la maison de Sindri, parce qu'on a des choses à faire là-bas. On a un petit écureuil avec lequel on doit parler. Je parie que tu n'arriveras pas à toucher ces carillons avec ta hache. Allez, vas-y. Et revoilà le bovin. J'adore les différents écureuils. Bonjour, ravi de constater que les carillons fonctionnent. Bonjour, Ratatosk. Bonjour, mon bon Kratos. Tu as accompli pour ces royaumes une chose que je n'aurais jamais cru possible. Sois assuré que le bon Brock en serait extrêmement fier. Même s'il l'exprimerait bien sûr par ses grossiers non sequitur qui lui étaient chers. Ah, il me manque terriblement. Oui, à moi aussi. Mais je voulais vous informer d'une conséquence intéressante des récents événements. En explosant, Asgard a ébranlé l'arbre-monde jusque dans ses racines et a fait tomber de nombreuses graines. Je me suis dit que ça vous ferait plaisir de les avoir. C'est ma façon à moi de vous dire merci de m'avoir sauvé d'une immolation funeste. Il n'y a pas de quoi. Bon, avons-nous d'autres sujets à aborder ? Je ne crois pas. Ratatosk, je suis curieux de savoir. Tu as dit que les trois avaient des plans pour toi. Que fais-tu exactement ici ? Demande-moi plutôt ce que je n'y fais pas. Je contrôle et maintiens l'équilibre entre les royaumes. Je m'assure que tout se déroule sans heurts. Et, bien sûr, je m'occupe de l'arbre-monde. Je l'écoute. Je subviens à ses besoins. Tu dis que tu parles à l'arbre ? L'arbre ne parle aucun langage, mais ses intentions sont clairement sensibles. Oui, j'ai bien conscience que cela peut paraître fantasque, mais c'est la vérité. Dit-il quelque chose en ce moment ? Il dit d'arrêter avec les questions idiotes ! Amer, un peu de tenue ! Mais, oui, c'est à peu de choses près ce qu'il dit. Ok. Bon, je ne voudrais pas abuser de votre temps. Ouais, moi non plus. Est-ce que tu ne comprends pas que la conversation est... Alors, on a des nouvelles... voilà. Jotunheim. Je crois que c'est Jotunheim, yes. Alors il y a Jotunheim, on peut aller à Jotunheim maintenant. Ça sert à rien. Je crois. Je crois que ça sert à rien. Après on a eu... Ok, non, là il n'y a rien de nouveau. C'est quoi ça? Accès non découvert. Ah, ok, ok. On peut débloquer cet accès. Après, on a un autre accès à LAM. Non. Faut juste faire ceux qui clignotent, en fait. Là, on a ici. Donc, Niflheim. On va devoir faire Niflheim, je crois. Est-ce que là, il y a un accès aussi qu'on connaît pas? Apparemment, oui. Il y a un accès qu'on connaît pas aussi. Ça marche. Donc, nous, on veut aller là. Et il y en a un accès à Midgard, apparemment. Ah, ok, 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 ok. Cool. Alors, nous, on va faire Niflheim pour cette zone-là. C'est parti. Le champ de brume. Le beau champ de brume. Donc là, on a une tombe à faire. On a une tombe à faire, donc ça risque de prendre un petit moment aussi. Enfin, en tout cas pour moi. Ah, je regardais en arrière. Faut pas regarder en arrière ici. Sinon la porte peut apparaître derrière vous. Cool. Donc là, on était venu avec... avec son fils. Freya, regarde. Oh, la plante. Étrange de voir une fleur ici. Tissu en neuf. Il n'y avait pas grand monde, mais il y a ça à faire.
On va faire toute la zone, hein, mais... Mais ouais. Ah, il y a du monde. Bonjour. Et ciao. Ah, la violence, hein, c'est bien, ça résout les problèmes, la violence. Depuis la nuit des temps, ça résout les problèmes. Que ça va être la tombe, si ça va être extrêmement difficile ou pas. Parce que c'est, en théorie, c'est une tombe qu'on est obligé d'avoir en fait à la fin du jeu, après la fin du jeu. Donc bon, le truc il va sûrement être d'un haut niveau. Ah, ça commence bien. Oh, le Bifrost. Merde. D'accord, donc si on reste à côté d'elle, elle met du Bifrost, c'est ça? What the fuck? Genre elle a un aura autour d'elle quoi qui met du Bifrost. Oh là là. Ça doit faire mal mon frère. Tu vas bien? Pourquoi je fais ça en même temps qu'elle tape? C'est débile ce que je fais. Ah, j'avoue que c'est pas de la merde parce qu'elle met du Bifrost en fait. Elle a une sorte d'aura qui met du Bifrost quand on l'attaque, c'est énorme. Toute ma vie en Bifrost. Waouh la vache. C'est tout ce que tu sais faire. Oh oh. Que le roi. Oui, et si tu as trouvé ces berserkers coriaces, eh bien... Écoute, j'ai réfléchi à ce que tu m'as dit, mon frère. Il est peut-être temps de tourner la page. Extirper l'âme d'un mort avec sa propre épée ne changera rien au passé. J'apprécie de te l'entendre dire, mais je compte l'affronter malgré tout. Quoi? Après tous tes sermons sur la vengeance et la rancœur? Il n'est pas bon de laisser un mauvais esprit hanter Midgard.
mais j'avais besoin de savoir que tes motivations étaient les bonnes. Hein ? J'apprécie l'attention, mon frère. Yay ! Donc on a la dernière partie. On a la... Maintenant, on a le... l'équipement entier. Il est super joli, l'équipement de Berserker. Chance faible de générer une explosion spirituelle, un faisant de dégâts restaurant une partie du renouvellement de la relique à chaque coup réussi. Elle est pas mal, elle est vraiment pas mal. Et elle est très très jolie. On a celle-là aussi, oui c'est celle-là qu'on avait récupérée. Attends, lui c'est quand on bloque par... C'est pas les mêmes ? Si c'est les mêmes. Ah, c'est pas les mêmes! Là, c'est chamble fève de générer une explosion spirituelle infligeant des dégâts et restaurant une partie du renouvellement de la relique à chaque coup réussi. Là, c'est quand on prend des coups, la taille. Subir des dégâts bloqués et parés. Une chance modérée de générer une explosion spirituelle. Après, le corps est vachement bien aussi. Je l'ai utilisé pendant un long moment. Mais par contre, il est quand même très dangereux. Grosso modo, c'est peut-être le double, voire le triple de dégâts qu'on prend. Quand on a ça qui s'active. Donc ouais. Mais après, bon, on fait mal, mais voilà. On prend extrêmement cher. Par contre, ça m'intéresse du coup. Si les gants font... ça différemment. Est-ce que les stats tombent bonnes ? On va l'augmenter. On va l'augmenter. Par contre, est-ce qu'il y a quelque chose à faire ? Non, il n'y a rien d'autre ici à faire. On peut aller combattre le roi, du coup. On peut aller combattre le roi. Le combat était sympa. Vous entendez ? Quelqu'un pleure. C'est une Mara. Ah, l'amour de Surte. Ah. Doit-on lui dire ce qui s'est passé ? Elle sait. Ouais, Surte est devenu le Ragnarok, du coup. Mais sans fusionner avec, avec sa bien-aimée. Kratos lui a plongé ses dagues dans le cœur. On l'entend pleurer. Il y a plein de détails. Hein. On a fini le jeu et il y a encore plein de choses. Vraiment superbe. Je regarde juste au cas où. Mais ouais, il y a encore plein de choses. Alors, direction Midgar. Du coup, on peut débloquer ça aussi. Merde. Mauvaise touche. J'ai fait la maison de Sindri. Sindri, pardon. Sindri. Ah bah, on va peut-être pouvoir augmenter notre armure directement. Parce que je crois pas qu'il y avait de forge à côté du roi, donc c'est pas si mal en fait. Mais ouais, je crois que c'est la seule armure où les parties changent. Parce que normalement, c'est tout le temps la même chose. C'est genre, par exemple, là, on a moins de dégâts. Et là, c'est moins de dégâts aussi. Et toutes les armures, c'est pareil. Genre, on prend libre arbitre. C'est accélère le gain de rage. Accélère le gain de rage. À chaque fois, c'est par deux, en fait. C'est tout le temps par deux. Vous voyez ? À chaque fois, c'est deux. Genre, sauf la berserker. Je crois que c'est la seule... Après, il y a ça aussi. Oui, c'est vrai qu'il y a les armures de base aussi. Je sais que c'est pas facile d'être ici sans eux, mais je suis sûre que Brock serait content que vous soyez là. Et que Sindri, où qu'il puisse être, je dois voudrait que vous fassiez un petit brin de ménage. Allez hop. Ça marche. Va parader maintenant. Ça va. Voilà. Voir un peu les stats. Du coup, on perd un tout petit peu de vitalité et de force pour des... Ouais, ça vaut le coup. J'ai envie de dire que ça vaut le coup.
On va voir. On va voir. Après, oui, il y a l'équipement de base. Voilà, une fois qu'il est augmenté au max, il donne ça. C'est pas mal. C'est pas mal. Bon, après, honnêtement, des armures qui font aucune... qui font aucune chose, c'est pas vraiment le top. Ah ouais, quand même, putain. En fait, ça, je crois que c'est une très bonne chose si vous voulez baser vos attaques sur les stats. Et après, vous utilisez l'amulette, en fait. Vous rajoutez des choses à l'amulette. Ça peut être intéressant. Ah, il me faut une pierre de berserker, je crois. Non ouais. Bon, ben voilà. Les gants. Genre, le vert, la bouge sur les gants. C'est super joli. L'armure aussi principale, c'est pareil. Ça bouge et tout. C'est très, très joli. Sûrement une de mes préférées, la Berserker. Une de mes préférées. Mais ouais, avec l'amulette, vous mettez l'équipement de base de Kratos que vous avez au début du jeu. Vous l'augmentez. Alors, est-ce qu'on peut débloquer ça? Ok, débloqué. On va faire le roi directement. Vous augmentez ça, vous avez énormément de stats boostés, genre toutes les stats. Midgard, ça m'avait presque manqué. Ce royaume a encore des secrets. Je te suis. Et après, je sais pas, vous mettez différents bijoux sur l'amulette. Genre les bijoux gris, là où il faut des stats pour les activer. Peut-être que ça peut être intéressant. Je sais pas. Il y a peut-être des builds spéciales à faire. Ça peut être intéressant. Alors... Attends, c'est par où? Par quel côté? C'est par là? Ouais, c'est par là. Ok. Encore un boss, c'est parti. On va faire deux fois, deux, trois fois peut-être. La pierre tombale du roi Rolf, elle s'est reformée. Il ne nous reste qu'une chose à faire. On va faire deux, trois fois où je parle en même temps, puis après je ferai une. Après je couperai au dernier combat si ça me prend trop de temps. Genre la Valkyrie de la dernière fois, ça m'a pris une heure quand même. Nous appartient, tu ne peux la croire. Oh la vache. Ouais, la riposte sanguinaire avec la rage, c'est pas mal. Oh, comment j'ai merdé, je voulais pas faire ça. Ok, il a toutes les attaques, les autres. Attention frère, ouais. Tu es couvert de bifra. Ouais, je voudrais bien la pierre, c'est pas grave, on la prendra après. Tiens,
sur ta gauche. Ça sert à rien que je fasse ça. Je fais de la merde. Ultime sursaut. C'est bien, ça va, ça marche vachement. Ça. J'avais ma rage et tout. Bon, allez, on va mieux jouer parce que là, là j'avoue, c'était... Il est sympa à combattre, ça va. Il est pas pété non plus, c'est pas une Valkyrie, quoi. Mais non, il est bien. Mais j'ai très très mal joué. Mais putain, protège-toi, qu'est-ce que tu fais? Allô? Ratatos, bordel de merde. Rechargement de relique. Faites-moi serment. Ah putain, pourquoi je l'ai pas? Ça c'est plus ça. Merde.
Le... Je crois que le... Merde, qu'est-ce que je fais? Arrête de parler. Tu brûles, Kratos. Ça passera. Merde. Je pouvais rien faire. Je me suis reculé au lieu d'avancer. C'était mort. Je pouvais strictement rien faire. C'est une grosse erreur de ma part. Voilà, toutes les attaques, même les attaques runiques, j'ai l'impression qu'il y a une chance de récupérer de la relique. Prédit mes mouvements. Oh non. 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 Ah, c'est pas mal pour un combat, ça va. Ça va, ça va. On va le refaire. Ouais, on va pas encore couper. Est-ce que je reste avec ça? Je pense que les avant-bras, c'est pas mal. Ça marche que pour la relique. Ma relique, c'est de la défense. Et ça revient assez vite et ça dure assez longtemps. Donc ça dure une dizaine de secondes, je crois. Donc, je pense que c'est bien. Les gants, là. Ah putain. Tu brûles, Kratos. J'ai vu. Ça passera. Non, merde.
Ça va. Je sais pas s'il a... L'habilité de Freya est vraiment bien. J'ai fait de la merde. Sale pute. Ah, on a merdé. Putain, on était bien tout le long. Ah, c'est bien, j'ai récupéré Riposte Sanguinaire parce qu'il m'a touché. Du coup, je récupère un peu plus de vie que normal. Putain, j'étais bloqué dans l'animation, bordel. Oh là, je fais de la merde. Oh là là là, on peut mourir là. Là, j'ai fait vraiment de la merde. Ouais. Après toi. C'est quoi, on était bien parti. Par contre, j'ai l'impression que la protection là, que j'ai du bijou, elle marche pas vraiment bien. Enfin, pour des combats comme ça de boss qui tapent fort, ça sert à rien en fait, la protection. Faudrait plus de régène ou un truc de la sorte. Mais ouais. Après, est-ce que l'armure est efficace de récupérer la relique plus vite? Je pense que oui. Je pense que c'est potable. Mais bon. Ah, c'est bien. C'est con parce qu'on pendant tout le long du jeu, genre on a fait les trois quarts de sa vie. Un peu plus de la moitié, on va dire. Un peu plus de la moitié. Genre on était toujours dans le vert et tout tranquille. Il n'y avait aucun problème. C'est juste que là, après, on s'est pris l'AOE. Et j'avais pas de rage et j'étais trop loin pour le bouclier et tout ça. Bon, allez, on va couper ici. Et le prochain combat sera le dernier que vous verrez, du coup. A tout de suite. Sauve-nous, ma prochaine ! Tu ne peux l'avoir ! Rage-nous, toi !
Attention, frère. Tu es couvert de vitraux. Yeah!
Merci, mon frère. Je ne sais toujours pas s'il s'agit de justice ou de vengeance. Les deux ne sont pas toujours contraires. Que comptes-tu faire de Skofnung, maintenant ? Je compte m'en servir. Non ! Ne comprends-tu pas l'héritage que porte cette chose ? Sans parler des âmes de ces vils berserkers. Je m'en servirai pour le bien. Cela n'effacera pas son histoire. Non. Mais l'histoire de cette épée s'écrit encore. Les générations futures feront la part de ses bonnes et mauvaises actions, et décideront de sa valeur. Tu as fait du chemin depuis notre rencontre, mon frère. J'ai reçu des conseils avisés, mon frère. Oh. Magnifique. Magnifique. Je suis pas mort. Du coup, je suis pas mort. Il fallait juste bien apprendre, ça m'a pris, allez, une petite heure, je vais l'avouer, ça m'a pris une petite heure. Faut bien apprendre son pattern et tout ça, mais il est plus fun honnêtement de combattre qu'une Valkyrie. Les Valkyries sont trop rapides et tout ça, elles font des trucs inhumains. Mais vraiment, là c'était vraiment cool. Donc on a la poignée de Skolfnug. L'épée libère le pouvoir des âmes qu'elle renferme, meilleure pour augmenter la puissance de cet effet. Cette poignée brisée fut un temps rattachée à la lame la plus affûtée du royaume, celle du roi... Bah, quelque chose. Elle renferme à présent les âmes de ses 12 gardes du corps. Oh, me dis pas que ça va appeler des gens. Peut-être. On a eu quoi? Je crois que c'est juste une... Juste un bijou normal. Ouais, vertu de Halheim. 20 pouvoirs runiques. Il y en a des bijoux comme ça avec 20. Il n'y en a pas beaucoup. Genre là, on a force 20. Défense 20. Rune 20. Vie 20. Renouvellement 20. Non, ça c'est pas renouvellement, c'est chance, pardon. Et renouvellement... Bah, je les ai tous. Il y en a un de chaque version qui sont à 20. Donc, à la limite, si vous voulez vraiment des stats et vous en foutez un peu de ça, là, les bonus, vous pouvez mettre des 20 partout. Et vous aurez 20 partout. Ça peut être intéressant. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça fait 6... Oui, ça fait 6 stats à 20. Après, il vous reste encore des emplacements pour autre chose, si vous voulez. Mais bon. C'est cool. Le combat était vraiment sympa. Tiens, on peut pas les augmenter, les autres? J'ai augmenté le dernier en avance. Protection, dégâts. On va mettre dégâts. J'aime beaucoup la lance. J'aime beaucoup la lance, j'ai déjà dit. Le combat, qu'est-ce que j'ai changé? J'ai rien changé. J'ai fait des tests, différents tests. Genre, j'ai remis ça parce que, j'ai mis la tempête, ça aidait pas vraiment. J'ai mis les deux. L'essence de régénération, genre la petite et la suprême. La normale et la suprême. J'ai pas vu de différence, donc je sais pas si c'est stackable en fait. Je sais pas si ça stack. Faudrait faire des tests un peu plus approfondis en fait, mais voilà. Je vais être honnête, j'aime pas trop l'invocation runique de Freya. Je pense pas qu'elle soit très très utile. Je pense que déjà ça c'est peut-être plus intéressant avec... Le truc c'est qu'elle tape plusieurs fois et elle fait de l'étourdissement. Donc ça aide et elle revient extrêmement vite. Celle-là, je sais pas, elle est lente... Ça n'a pas l'air d'être top. Après, ça, c'est le poison. Mais il faut... Le poison, c'est 250. Le poison est extrêmement puissant. Hein. Ça baisse le niveau des ennemis. Hein. C'est extrêmement puissant. Après, la OE électrique a l'air vraiment cool aussi. Mais il n'y a pas d'étourdissement. Je préfère quand même Harmonie de métal. Je vais être honnête. Que dire sur ce boss?
J'ai remis Kourou un moment. Oui, j'ai remis Kourou. Pourquoi? Parce que il m'a mis toute ma vie. Genre, j'avais 90% de ma vie à un moment, et je sais là où c'est que je suis mort. Et il m'a mis tout en Bifrost. Il a la même habilité que la dernière tombe qu'on a faite. C'est-à-dire qu'il a une sorte d'aura autour de lui pendant un moment. Il a un effet qui glow, un effet. Merde, j'arrive pas à trouver les mots en français, c'est ouf quand même. Un aura bleu, voilà, c'est bien. Un aura bleu, et ça vous met du Bifrost en fait si vous approchez. Et il m'a mis genre toute ma vie, toute ma barre de vie elle était bleue. Et c'est là que bah, il m'a tué à ce moment-là. Donc le Kourou, ça me permet d'enlever le Bifrost. Donc ça aide énormément. La relique qui augmente la défense, honnêtement, je pense que c'est une des meilleures que vous pouvez utiliser. Celle-là, l'aura protectrice. Surtout, j'avoue que les avant-bras, ça se déclenche pas mal. Bon, après, j'ai 167 de chance. Mais le fait que la relique revienne plus rapidement, ça fait quand même une différence. Donc, c'est intéressant. Très, très intéressant de faire ça. Bon, fais voir un peu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Donc, on a 7 épées. Elle reste pas très très longtemps. Ouais, c'est pas top. Comment on part par là? C'est pas top. Faut voir après les dégâts. Bon, si ça fait énormément de dégâts, peut-être à la limite, oui. J'imagine que à la limite avec notre armure, ça peut être intéressant. Si vous avez les reliques qui reviennent extrêmement vite, je pense que ça peut être cool. Mais bon, là c'est quand même 253 secondes. C'est pas vraiment le truc que vous allez utiliser dans un combat de boss. Ça sert un peu à rien. Midgar. Ouais, dans un combat de boss, ça va servir strictement à rien. Mieux vaut la défense qui revient très vite. Et vous utilisez les gants du Berserker, ça va aider. Ça aurait été cool que Kratos utilise l'épée. Ce serait vraiment bien. Bah, dans un sens, il l'utilise, hein, mais pas en tant qu'arme. Après, il a que la poignée. C'est on va dire une lame fantomatique. Enfin bref, ça aurait été cool. Ah, on est de retour là. Nous retournons voir Charlie. Oui. Oui. Il ne sera sûrement pas content de moi. Non. C'est la tortue. Charlie. Je regrette, j'étais... Je n'ai pas d'excuse pour t'avoir négligé. Je ferai de mon mieux pour la mériter. Ouais. Triste. Ouh, c'est quoi ça? Freya, c'est quoi ce bordel? Je sais, mais je ne peux rester. J'ai encore beaucoup à faire. Kratos, j'aimerais trouver quelqu'un qui puisse s'occuper de lui. Okay. En permanence. Qui? Sindri? C'est sympa cette fenêtre magique. Tu veux qu'on trouve quelqu'un qui s'occupe de... Tu veux que j'aille trouver quelqu'un où, moi? Vanheim, tu veux qu'on retourne à Vanheim pour voir s'il y a quelqu'un qui veut rester avec une tortue géante? Regarde, Freya. Oh. Une nébuleuse. Si tu le dis. T'es Kratos et les fleurs. C'est pas trop son truc. Je sais pas si on peut faire vraiment quelque chose ici, je pense pas.
pense que c'est juste pour la fleur. Voilà. On va continuer notre chemin vers le 100%. Je me demande si Midgar va revenir. Au revoir, Charlie. Au revoir. Bien. Ok. Marche. Je sais pas si c'est elle dit ça comme ça ou alors si c'est vraiment une quête, enfin sans être une vraie quête. Alors. Là on a. On a ici débloqué l'accès. On va aller voir ce que c'est. On visite les choses qu'on découvre. Retour à Svartalfheim ? Oui. Il peut rester des ressources à récolter. Ça me va. Je suis content de l'équipement. Les boss sont quand même... C'est la différence entre les boss d'histoire et les boss secondaires. Boss d'histoire, il y a toujours plusieurs phases. 2, voire 3, voire des fois 4 phases de combat. Et le jeu, il va toujours en fait vous mettre un checkpoint en fait entre les phases et tout. Donc c'est ça qui rend les boss plus ou moins simples, beaucoup plus simples que ce que ça l'est. Oh. Y a quoi là? On est déjà venu ici, on est d'accord. Là on est du coup sous terre. Ouais non, ça on avait pris ça pour aller sous terre avec Atreus. Pour libérer Tyr, qui n'était autre que Odin. Ça aussi, quelle manigance. J'ai adoré ce passage avec Brock. Ouais, là on l'avait fait ça en secondaire. Il y a ma lance encore. J'ai adoré ce passage avec Brock. Où il dit attends, ce que tu dis ça a aucun sens. D'où tu connais un passage pour passer le mur? Depuis quand t'appelles le gamin Loki? C'est pas son nom. Y a que Brock en fait qui s'est rendu compte de tout ça. Y a que lui. Je devrais pas aller là-bas. Parce que là on va perdre du temps. J'ai beaucoup apprécié. Que Brock s'énerve et tout ça. Genre il lui a même enlevé le masque des mains en lui disant hey, ça c'est au petit. Ça, c'était vraiment vraiment cool. Vraiment beaucoup apprécié cette scène. Bon, on va partir, c'est juste pour débloquer un passage ici. Bah c'est sympa pour du secondaire parce que ça tout ça c'est du secondaire. Moi je me suis fait chier à me rebalader en fait dans la mine. Ça m'a pris un peu de temps, parce que dans le jeu, c'est un peu long, en fait, pour se balader et tout ça. Donc ouais, c'est sympathique. Et là, il y a quoi? Ah, ici. Après, je crois qu'il me reste que des plantes à trouver, hein, et je crois qu'on a complètement fini qu'allons-nous faire à Vanheim ? Le jeu. Il pourrait y avoir des corbeaux à chasser. Allons-y. Et je crois qu'on a complètement fini le jeu. Faut que je regarde après. Ce qui reste, je crois, les trucs non découverts, c'est les plantes. Je pense bien. On a fait tous les combats. On a fait Gna, on a fait tous les berserkers, on a fait le roi. On a fait quoi? On a récupéré tous les petits de Nidhogg. On a fermé toutes les brèches de Gnat. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre encore? Ah, c'était une aventure hein, ce jeu. Super aventure. Alors. Où est-ce qu'on est exactement? Ah, je crois...
Je crois vite fait me souvenir en fait. D'accord, ok, ok. Bah, est-ce que ça nous sert à quelque chose d'être ici en fait? Pas vraiment. Mais on a le passage au moins. 100% ici. Donc qu'est-ce qui manque? Ah, il y a ici. Il y a Niflheim, pardon. 100%, 100%, 100%. Niflheim. Je crois que Niflheim, ça parlait Gna, là, les livres qu'on a trouvés, les parchemins, tout ça. Ça parlait d'une prison. Donc on va aller voir ça. On va aller voir ça. Elheim ? Non, pas Elheim. Niflheim. Ça ressemble, les deux se ressemblent, il y a de la neige partout. J'aimerais bien faire un petit combat, voir un peu les épées là, les gardiens. Mais bon, m'étonnerait que ça soit très très utile. Après, quand il y a énormément d'ennemis, peut-être. J'imagine qu'ils bougent tous comme Ingrid, l'épée de Freya. On verra. Ça va sûrement être la dernière vidéo de toute façon. Alors, ça paraît d'une prison ici. Y a pas quelque chose de nouveau? Je peux te forger quelques nouveautés. Ouais, mais il y a écrit arme avec un point d'exclamation. Je vais chercher mon marteau. Mais je crois que c'est un bug. Hein. Et pour Freya? Os de bête. Est-ce que les os de bête, on peut les acheter? Parce que non, c'est bizarre ça. On est juste curieux. C'est ça. Ah, un autre débris tombé d'Asgard. Ah. Celui-ci semble différent des autres. Différent? Je ne sais pas, j'ai comme un pressentiment. Ton esprit analytique n'a donc aucune limite. La prison détruite. Ah! Vous voyez la prison, ça marche. Attendez un instant. Serait-ce une prison? Ça y ressemble. Allons-y. Il s'y cache peut-être quelque chose d'utile. Genre quoi, des prisonniers? Ah là là. Cet endroit est profond. Nous devrions descendre. Oh oui, je suis sûr qu'aucun danger ne nous attend dans les profondeurs d'une prison asgardienne. Ruine de prison As. Tu vois un peu? Attention, tu es couvert de vitraux. Si les Eneria ont survécu au Ragnarok, peut-être que certains prisonniers aussi. Allons le découvrir. Ouais, ouais. Enfin, ça peut être bien. Honnêtement, si vous jouez pas renouvellement avec cette relique, elle sert à rien. Elle sert strictement à rien. Ça va vous aider une fois tous les 3 heures. Non, c'est bon. Il faut du renouvellement. Un bon renouvellement. Même moi, je crois que c'est pas assez puissant, mon renouvellement. Mais... on va le faire. C'est cool, une nouvelle zone encore. Il doit y avoir un moyen d'accéder aux niveaux inférieurs. Comment pourrions-nous descendre ? Oh waouh, ça a l'air grand. Ok, ok. Alors... comment on descend ? Il y a des chaînes. Ce dispositif dans la colonne centrale pourrait-il nous servir? Tu vois un... ah, lance. Ok, on y va. Yalfa.
Montre-leur ce que tu sais faire. Hop là, lance Bifrost. J'adore le fait que la lance aussi absorbe l'élément et Tu le reconnais, Mimir ? Non, je regrette. Bon nombre de rebelles nains se sont volatilisés durant l'occupation des Zeneria. Je suspecte celui-ci d'en faire partie. Il y a un truc bien vénère en dessous. Ouais, la lance, elle absorbe l'élément, puis j'ai débloqué le fait qu'elle me donne aussi une résistance à l'élément qu'elle absorbait, c'est vraiment cool. C'est un elfe. C'est une elfe, mais elle ne semblait pas particulièrement de haut rang. Qu'espérait donc obtenir Odin en la retenant ici ? Des renseignements, je suppose. Mais pourquoi l'avoir retenue prisonnière plutôt que de la tuer ? Bon, bah... Attention, ces prisonniers ne sont peut-être pas aussi reconnaissants qu'on pouvait l'espérer. Surtout, ne nous remercie pas. Ah, bien joué. Ah ben, moi, tu me mets un trou en plein milieu, il est utile. Hein. Tu me mets une fosse, c'est bon, j'envoie tout le monde dedans. Ok. Oh. Ok. Ah, mais par contre... Mais là... Ah si, comme ça. Ah, elle est bonne, elle. Oh, ça pue. Oh mon dieu, le bordel. Ouais, ok. C'est putain. Ça peut être marrant. Par contre, ouais, j'ai vu ça, là. Odin a caché quelque chose ici. Je le sens.
Nous devrions nous approcher de la cellule, de l'autre côté. Ok, ça marche. Les épées qui se vénèrent et tout, putain. Ouais, j'avoue, ça peut être marrant. Alors, comment... Faut qu'on baisse. Ok. Alors, comment on va faire ça? Je crois qu'il faut remonter tout en haut pour baisser le premier, je dirais. Je suis pas complètement sûr. Et là, du coup, je peux plus... Bon, déjà, je comprenne lequel il faut. Nous, on essaye d'aller de l'autre côté. Donc, ouais, il faut celui-là de droite. Attends, c'est peut-être bon là. Faut que je fasse descendre l'autre. Je trouve un moyen. Parce que cette... ça fait quoi? Ok, cool. Je crois qu'on est bon. Je crois qu'on est bon. Attends. Ah, de ce côté-là. Non. Si, il y a une ouverture. C'est bon. Ces tirs. Freya, je n'arrive pas à le croire. Non, c'est impossible. C'est le vrai tir. Seigneur Tyr. Est-ce là une illusion? Non, mon frère. Non, je crois bien que c'est le vrai. Mimir, c'est toi, mon vieil ami? Dans tout ce qu'il y a d'essentiel, oui. Il y a eu un tel vacarme. Si Odin découvre ce que vous avez fait... Odin est mort. Les royaumes sont enfin débarrassés de lui. N'aie crainte. Odin est mort. Et Asgard n'est plus. Alors le règne des As est bien terminé. Voilà qui fait un choc. Et tu es? Son nom est Kratos. Kratos. Je connais ce nom. Viens. Il te faut un toit. Et à manger. Non. Non, ce qu'il me faut vraiment, je crois, c'est du temps pour réfléchir à ce que je viens d'apprendre. Si vous me le permettez. À ta guise. Nous demeurons dans le monde entre les royaumes en ce moment. Retrouve-nous là-bas quand tu seras prêt. Kratos. Je suis certain de te connaître. Cela finira par me revenir. Au revoir. Maison détruite. Tir. Donc ça, c'est le vrai tir. Alors... Lorsqu'Asgard est tombé, la prison retenant le véritable tir est tombé avec nous. Nous l'avons retrouvé à Niflheim. Nous avons rencontré le dieu de la guerre des légendes. Enfin, il est différent de celui que nous pensions connaître. Mais lui aussi a traversé bien des épreuves. Il aura besoin de temps et d'espace pour s'en remettre. Puisse ce nouveau monde lui apporter la paix qu'il recherche. Cool. Tu peux m'ouvrir un raccourci? Merci de t'inquiéter pour moi. Je vais bien. Comme nous tous, je pense. Mais je désirerais être seul un moment. D'accord. On a une tortue, si tu veux. On a une tortue géante.
et tu peux t'en occuper. Mais bon, ça c'est compliqué de lui faire confiance. Hein. Dans un sens, parce qu'on a vu... Croyez-vous que c'était bien lui ? Difficile de croire quoi que ce soit après ce qu'on a vécu. Voilà, exact. Mais Odin n'étant plus, je n'ai pas de raison d'en douter. Nos chemins se croiseront encore, j'en suis certaine. Ah, c'est ça le truc, c'est que ça fait tellement bizarre de parler à Tyr. Parce que pendant... Et maintenant ? Pendant très longtemps, on lui a parlé. Bah maintenant, il n'y a pas grand chose à faire. Après, j'avais vu qu'il y avait un trou dans une des prisons. Il n'y a pas un truc caché. Dans une des cellules. Bon, bah voilà. Ah, 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 je sais. Ok, il faut... Oh putain, il faut remonter l'autre. Oh, c'est le coffre qui me manque. Ce que je me disais, il me manque toujours un coffre. Je pense pas qu'on ait... qu'on ait fait quoi que ce soit, qu'on ait trouvé de coffre en fait. Un peu casse-tête, mais... Ah merde, je l'ai pas monté. C'est... Je fais de la merde. Comment... Attends. Oh là là, comment on fait ? Ah ! Si, trouvé, c'est depuis le bas en fait. Parce qu'on peut pas le monter plus haut. Et on peut pas aller au-dessus. Donc hop, voilà. Voilà. Oh. Tiens, le dispositif sonore dont Sindri s'est servi pendant la bataille du Ragnarok. Il pourrait encore nous être utile. Nous être utile ? Appel de Motsoknir. Bon, bah voilà. Alors, relique. Donc, on peut s'en servir comme arme. On génère une onde de choc qui inflige des dégâts d'étourdissement aux ennemis à proximité. Améliore pour augmenter la puissance de cet effet. Le diapason de Sindri a étrangement survécu au Ragnarok. Pas mal. Accessoire. En coche supérieure. La troisième tire unique décoche une flèche supplémentaire. Le troisième tire unique. Ah, ok. Bah, c'est bien ça. C'est bien ça, dis-moi. On est à 85%. Il nous manque encore une fleur et un coffre. Nous savons maintenant à quoi servait cette prison. C'est ici qu'Odin cachait ceux dont il voulait assumer l'apparence. Cela fait sens. Se faire passer pour quelqu'un qui se balade encore librement est assez risqué. Pourquoi ne pas les tuer ? Il a besoin de vivants pour prendre leur apparence. Oui, Odin avait toutes les raisons de vouloir Tyr mort. Mais il savait qu'il lui serait plus utile en vie. Votre dieu de la guerre est de retour. Et maintenant ? Il voudra se dégourdir les jambes, je suppose. L'emprisonnement donne des envies de voyage. On ne le sait que trop bien, tous les deux. Ok. Nos mères et pères, enfin outrepassés.
Dorénavant, nous ne sommes plus prêts. Non. Bon, bah c'était cool. Fais voir un peu l'habilité. Ok, ouais, c'est une grosse sao d'étourdissement. Ça peut être intéressant, même sur un boss, elle revient assez vite. Elle a l'air de revenir assez vite. Une épée à aiguiser, madame? Lunda, nous avons besoin de toi. Oh, tout ce que tu voudras, mon chou. Comment... Je vais chercher mon marteau. Non, objets spéciaux. Madame. Ce soir... Ne jamais oublier les accessoires. Ça alors. Ouh, trois flèches supplémentaires. Égal pour les yeux. Une flèche, deux flèches, trois flèches supplémentaires. C'est pas mal ça. Oh, vraiment splendide. On va tout augmenter. Oh oui, ça va parfaitement avec ta tenue. Joli. Ah oui, mais c'est niveau 3. Je sais pas pourquoi j'ai pas de... Ça a l'air mortel. Vraiment pas d'objet pour le rang 3. Parce que là, je peux... Ne jamais oublier les accessoires. Je peux pas tout mettre, en fait. Ça alors. Un régal pour les yeux. Oh, vraiment splendide. Après, ça m'embête pas plus que ça. Oui, ça va parfaitement avec ta tenue. Ouais, mais il me manque des os de bête. Tu sais ce que tu veux? Non, ça. Si ça te convient pas, reviens me voir. C'est marrant, ça. Je regarde s'il n'y a pas des choses secondaires. Bon, il faut que je cherche ce coffre et tout ça. Peut-être dans l'autre zone. Je sais pas. Wow, il y a plein de trucs. Léa, vas-y. Je suis prête. Je vais tester l'habilité. Protège-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu t'énerves? Waouh, cool. Trois flèches d'un coup, là. Ski Alpha. Ah, c'est bien. Derrière toi, mon frère. Alors, on va un peu. Ouh. C'était juste pour voir l'effet en fait. C'était juste pour voir l'effet. C'est pas mal. J'ai l'impression que ça doit possiblement être ou presque un. Pour les ennemis normaux, je crois que ça doit être un full étourdissement direct. Mais ouais, sympathique. Sympathique. Donc il ne nous reste plus que ici. Je vais chercher ce qui nous reste. Sûrement là. Hein. Sûrement dans la deuxième partie. Je vais chercher ce qui nous reste et je le rajouterai en vidéo. Et puis je pense qu'on aura tout fini. On a tout à 100%. Fanny Fulheim. Ah, Jotunheim. Ah, c'est vrai qu'on peut aller à Jotunheim. Bah tiens, on va aller à Jotunheim vite fait. Parce que maintenant, Kratos, il peut y aller. Il y est jamais allé, Kratos, à Jotunheim. Donc on va y aller. Enfin, dans le deuxième jeu, en tout cas. On y aller dans le premier, mais... Ah, si j'en avais un, ça m'aurait retourné l'estomac. Odin n'est plus. Nous ne sommes plus menacés. Oh, mais c'est de l'excitation. Seule une infime poignée de non-géants s'est vue accorder l'immense privilège de visiter le royaume des Jotnar. Faire partie de ces rares élus est un véritable honneur.
Je pense encore que la relique de défense est mieux. Pour tout ce qui est boss et tout. Y a vraiment pas mieux. Alors c'est ça, Jotunheim. C'est encore plus beau que ce qu'en disent les histoires. Je me demande si on a des choses à faire ici. Il y a des fresques. Et Boda, du coup, elle est pas là. Ah si, elle est là. Coucou. On a de la compagnie, Fer. Onga Boda. Kratos, Mimir, Freya. Il est bon de vous revoir. Je te remercie. C'est grâce à toi que nous avons pu quitter Asgard. Ah oui, ravi de rencontrer la petite qui nous a sauvé la peau. C'est vrai. Cette magie des géants est une pure merveille. C'est un soulagement que nous soyons arrivés à temps. Freya, le sacrifice de ton frère ne sera pas oublié. Merci. Je dois dire que tu as impressionné le cœur de notre jeune Atreus. Mimir. Allons, frère, comme si tu n'y avais pas pensé. Tu es une alliée précieuse, Onger Boda. J'espère que nos routes se croiseront à nouveau. Je n'en doute pas. J'ai encore tant à faire. Ce n'est que le début. Cool. Cool, cool, cool. Et il y a Fenrir ici. Bon loup. Bon loup. Tu m'étonnes que les autres ils le regardent. Il est joli. La dernière fois que tu es venu ici, Kratos, c'était pour Faye, n'est-ce pas? Oui. Tu le tiens d'une prophétie. Ton fils me l'a dit. C'est un bel endroit où reposer. C'est ce qu'elle souhaitait. Bon, ben... On ne peut pas retourner. Je pense pas qu'il y ait des choses à faire, fallait juste venir... Ah, j'ai rien dit, en fait, il y a peut-être des trucs à faire. Tu as peint ces fresques. Certaines. J'en ai achevé d'autres pour ma mère. C'est vraiment magnifique. Qu'est-ce qui lui arrive? Ton coup de pinceau ne connaît pas d'égal, Onger Boda. Mon fils, lui aussi, dessine. Il me l'a dit. Il gagnerait à étudier ton utilisation des couleurs. Nous descendons d'une longue lignée d'artisans. Il a ça dans le sang, mais il lui manque encore un peu de discipline. Je t'aime bien. Juste parce qu'elle a dit discipline, ça y est. Kratos est content, quoi. Oh là là, sérieux. Tu es la dernière géante de Jotunheim, Onger Boda. Pas exactement. Il reste ma grand-mère, Grilla. Elle n'aime pas vraiment les visiteurs, mais elle est là. Elle m'aide à la cueillette en ce moment. Après tout ce que tu as fait, elle doit être si fière de t'avoir pour petite fille. Elle... Peut-être, un jour. Je n'en suis pas encore certaine, mais c'est un début. Ah, donc elles se sont un tout petit peu réconciliées. Genre l'aide à la cueillette. Je me demande si on peut aller la voir. Jouer avec Onger Boda, c'était vraiment cool. Oh. Ah, une fleur. C'était vraiment cool. Elle fait de la peinture, elle fait des effets. Incroyable. Elle fait des effets et tout ça, c'était super stylé. Niveau étourdissement, je crois qu'il n'y avait pas mieux. Je crois que Boda est vraiment la meilleure pour ça. Bon, mais je crois que c'était ça en fait qu'il fallait faire.
Oh, on peut aller sur le yak ou pas? Non, ça m'étonnerait. Hein. Non. Ok. Yeah, on a la fleur, c'est ce qu'il nous fallait. Ça marche. Ça marche, ça marche. Donc du coup, il reste plus que... Niflheim. Au champ des brumes peut-être. On va y retourner, je vais refaire un tour. Si jamais je trouve rien, bah, je coupe la vidéo, j'édite en fait, et je vous montrerai quand j'ai trouvé quelque chose. C'est bête, on n'a pas trouvé le... quand on y est allé la première fois, c'est un peu étonnant. Il y a encore un coffre et une plante à trouver. Et après on a fini. On a complètement fini. Je crois pas qu'il y ait du New Game Plus. Plus, j'aime bien dire comme ça, c'est New Game Plus, tout en anglais, tout avec un accent. J'aime bien ce que les gens disent. Hey, tu dis plus. C'est plus. Non mais c'est de l'anglais, c'est pas du français. Ha! Alors, comment on y va? Enfin, comment on va à une autre zone? Parce qu'on n'a rien vu quand on est venu. C'est ça qui me turlupine un peu, là. Mais ouais, il n'y a pas de NG+, dans le jeu, pour le moment. Je crois pas, en tout cas. J'ai pas vu d'option quand... après avoir fini le jeu. Le 1, c'était venu plus tard. Je me rappelle de ça. C'était venu plus tard avec une mise à jour. Je l'ai recommencé du début, le jeu en gameplay. C'était vraiment cool. Et il y avait même des améliorations en fait dans les armures et tout ce qu'on pouvait trouver. Donc ouais, c'était fun à jouer. Je crois qu'il y a un truc que j'ai pas refait en NG+, dans... Vous savez, à Jotunheim, j'étais prêt à demander à Anger Boda quelles étaient exactement ses intentions vis-à-vis du petit. Mais en la voyant, tous mes doutes se sont envolés. Tout parent se retrouve un jour confronté à cette question. Je lui ai confié ma vie. Je peux lui confier mon fils. C'est un raisonnement qui se tient. C'est vrai. Il y a une chose que j'ai pas refait, que j'ai arrêté. Je faisais en stream, je me rappelle. Il y a une seule chose, c'était la reine des Valkyries. Non, il y a rien du tout. Hein. On peut pas aller plus loin, en fait. On peut pas aller là. Je crois. Genre là en fait. Faudrait aller là si on veut aller plus loin. Mais ouais, pour finir mon histoire, oui, c'est la reine des Valkyries. Je l'ai pas. En New Gameplay, je crois que j'ai abandonné. J'ai arrêté. Parce que déjà, de base, a été difficile et tout. Il faut apprendre son pattern. Faut que ça soit genre au millimètre près à chaque fois. À la seconde près. Parce que sinon, si elle. Comme j'ai dit, il y a énormément de grabs. Et si elle vous grabe, c'est fini, vous êtes mort. Car elle fait beaucoup de dégâts. Déjà en normal c'était la galère. Puis en NG+, les dégâts ils étaient décuplés. Peu importe l'équipement, elle faisait extrêmement mal. Donc j'avais pas envie de repasser des heures dessus. Quoi. Non, c'était un peu trop. C'est la seule chose que j'ai pas fait, que j'ai pas refait. Après dans le 2, s'ils mettent un NG+, je sais pas. Peut-être le streamer, ouais peut-être. Je sais pas. C'est le genre de jeu où c'est pas vraiment drôle de refaire parce que bon, on a déjà tout. Mais après, les événements de l'histoire sont marrants. Les événements de l'histoire sont cool. Bon, on va retourner. Attendez, est-ce qu'on peut aller en face, juste en face? On peut, mais y a rien. C'est bizarre. Bon, on va... on va à l'arbre des corbeaux.
On retourne à l'arbre des corbeaux, ça va pas être long. Et puis si jamais il n'y a rien, bah du coup je vais me balader, voir si je trouve quelque chose. Mais c'est la seule chose qui nous manque à faire, c'est cool. Après, un truc un peu qui est paradoxal aussi dans le jeu, c'est que quand vous combattez des ennemis puissants, vous avez des récompenses, ce qui est normal. Hein. Je me rappelle quand on avait sauté dans le premier jeu. Oh, ça ne mène qu'à l'une de nos folies pour rejoindre Jotunheim. Vous avez sauté ? On était protégés. Je n'en doute pas. C'était pour aller à Jotunheim qu'on avait fait ça, je me rappelle. Ça, je me rappelais pas, ça. Elle serait pas là, la plante. Genre derrière. Mais ouais, on récupère des objets extrêmement puissants. Vous êtes beau aujourd'hui. Quand on combat des... Lunda, nous avons besoin de toi. Quand on combat des ennemis très puissants. Mais après, il n'y a plus personne à combattre, en fait. Donc les objets puissants, on les utilise plus. C'est ça qui est marrant. J'ai juste changé de relique parce que bon, l'appel, c'est pas trop mon truc. Ah bah tiens, on peut tout augmenter aussi tant qu'on y est. Je crame. La poignée de Gram qui augmente la rage, qu'est-ce qu'elle m'a duré un moment énorme. Laura, on va prendre. On va s'amuser avec les épées. Ça m'a duré tellement longtemps, cette poignée de Gram de rage là. Oh là là. Une des meilleures. Bon, là il n'y a rien. Peut-être vers la prison. Est-ce qu'il y a des nouveautés vers la prison? Mais. Genre comment j'ai pu louper quelque chose? Ah attends là. Non. Non, ça mène à la prison. Il y a le côté à droite là. Est-ce qu'on peut y aller là? What? Il y a des bestioles? Est-ce que là il me manque un coffre? Ah! Trouver. D'accord, donc là, ce truc qu'on a cassé, c'était bien ça, en fait. La petite stèle tout en bas que j'avais vue. C'était ça. Donc, c'est ici, le coffre. Donc, du coup, la plante, elle doit pas être loin. Alors, comment on va au coffre, déjà? Ah, oh, là, ce mur-là. Il se casse. Il y a une marque. Je crois que c'est le mur où j'ai dit à un moment... Ouais, il y a un truc au plafond. Il y a un passage au plafond. Là. C'est là. Voilà. Et voilà. Ah, os pétrifié, cool. 100K, ah, putain.
Donc du coup maintenant, il manque que la plante. La plante qui doit pas être très loin. Oh putain, mais il y a des... Ok. Des endroits que j'ai loupés. Bon, apparemment il est pas content d'être libre lui. Je suis passé à côté de certaines choses. Donc elle, je suis sûr qu'elle doit être dans une cellule en fait, la fleur. Ah. Je crois qu'on l'a trouvé. Sublime. Qui était-il ? Je l'ignore. Un jardinier peut-être ? Même dans des conditions optimales, l'ombref n'est pas facile à cultiver, mais... Il a lutté de toutes ses forces pour la maintenir en vie. Alors il est juste qu'elle te revienne. Hey ! Alors, objectif. Après le Ragnarok, les royaumes sont sains et saufs, pour l'instant du moins. Cependant, il y a encore beaucoup à faire. Il me tente fort procéder à la nombreuse réparation. Frère Mire et moi, veillons à ce que cela soit fait. Donc, on a fini. C'est bon, on a tout. On peut rentrer à la maison et se reposer. On va rentrer à la maison de Sindri. Et voilà, enfin j'ai pas besoin de faire celui-là. Et voilà, ce sera la fin. J'ai envie dans un sens de retourner à Midgar, dans la forêt, voir si... Je sais pas, s'il n'y a pas Tyr pour s'occuper de la tortue, ou alors est-ce que Tyr il est peut-être à la maison de Sindri, j'en sais rien. Mais ouais, on a bel et bien fini. God of War Ragnarok à 100%, ça y est. Il y a peut-être, à la limite, des petites cinématiques à voir. Enfin, pas des cinématiques, mais genre des conversations. À la limite. Dieu de la guerre ou reine des Valkyries, j'ai ce qu'il vous faut. Bonjour, Lunda. Mais je crois qu'on a fini. Je vais chercher mon marteau. Jeux spéciaux. Oh, qu'est-ce que je peux faire pour une déesse ? Bah, rien du tout. Eh, tu reviendras. Et voilà. Je me demande s'ils vont faire un God of War 3. Ah, ils pourraient, hein. Ils pourraient parce que dans les anciens, c'est Kratos qui détruit la Grèce.
Dans les nouveaux, le premier c'était. Ils exposaient surtout l'histoire avec les géants et tout machin. Dans le deuxième, maintenant on a combattu Odin. Donc du coup, je sais pas. Les cerfs se repaissent. Comme l'avait annoncé Ratatosk, peut-être essaie-t-il vraiment de se refaire une image. Comme nous tous. D'autres dieux d'autre part qui attaquent ici. Et du coup, Kratos et tout le monde va devoir combattre en fait. Genre défendre. Qu'est-ce qu'il est rapide. Nos illustres invocateurs sont de retour. J'aimerais comprendre une chose. Évidemment, l'heure est enfin venue de parler de moi. Certainement pas. Non ? Mais pourquoi non ? Comment osez-vous minimiser mes exploits ? Je te prie d'excuser, arrogant. Plus le temps passe, plus il prend de place. Pourquoi je m'en priverais ? Je suis seul à prendre soin de ce fichu arbre-monde. Sans moi, les royaumes tomberaient des branches avant que tu aies le temps de crier ingratitude ! Il n'a pas tort. T'occuper à toi seul de l'arbre-monde, ce n'est pas une mince affaire. Bien sûr qu'il n'a pas tort, mon cher Mimir. Mais chanter ses propres louanges, c'est tout de même inconvenant, non ? Mais qui va les chanter si je ne le fais pas ? Que voulais-tu me demander ? Oh, ça m'est sorti de la tête. Merveilleux. À une prochaine fois, dans ce cas. Bonne route, mes amis. Aïe, aïe, aïe. Allez, c'est le moment. Dégagez ! Il n'y a rien à lui dire. Bon, ben voilà. C'était la fin de ce magnifique jeu. Je me demande si Sindri finira par revenir. Cet endroit redeviendra-t-il un jour accueillant après ce qui s'y est passé ? Je n'aurais jamais cru que leur querelle me manquerait. Mais ce n'est vraiment pas pareil sans eux, n'est-ce pas ? Nous en prendrons soin jusqu'à son retour. C'était donc God of War Ragnarok. Ah, très bon jeu. Bah déjà dans la dernière vidéo, là, après la fin. Enfin, après avoir fini le jeu, plutôt. J'en ai déjà parlé, mais je vais en reparler vite fait. Mais ouais, très très bon jeu. Prenez-le si ça vous intéresse. Honnêtement, vous n'allez pas être déçus. Très bon. Le gameplay est bon. L'histoire est bonne. Les personnages sont bons. L'évolution de l'histoire, tout ça, on voit les cerfs, est vraiment bien. Donc ouais, très bon jeu. Je suis content. On a tout fini, ça y est. On a tout fini, il ne reste plus rien à faire. On a combattu tout ce qu'il y avait. On a tout augmenté. On a toutes les armures disponibles. Les amulettes aussi. Hop. Voilà. Toutes les compétences. Aperçu du monde 100% partout. Donc nickel. Et ouais. Donc c'est bon, on a tout fait. Je me demande si ça va s'arrêter. Parce qu'il y a des... Ah non, il n'y a pas d'expérience en fait à gagner. Je crois que c'est juste un bug graphique en fait. Enfin, un bug du menu. J'avais dit, le menu a quelques petits problèmes. Des fois. Mais là, tout à l'heure, il y avait écrit de l'expérience en bas à droite, mais en fait, il n'y en a pas. Bah oui, parce que ça se finit pas quoi. Mais ouais, extrêmement bon jeu. Comme le premier, encore une fois, comme le premier. J'ai toujours dit, il y a plein de gens qui disent plein de choses sur ce jeu, mais il révolutionne rien du tout, parce qu'il n'y a pas de nouveauté en fait, mais tout ce qu'il fait, il le fait extrêmement bien. Genre que ce soit l'aventure, l'histoire et tout, les voix, un des rares jeux aussi que j'adore, la VF. Je préfère même la VF que la VO, je vais être honnête, dans God of War, le premier et le deuxième. Je préfère la VF, ouais. Je trouve qu'elle est vraiment très bien faite. Il est très joli le jeu, ouais. Mais voilà, on a enfin fini. On a enfin fini 100% God of War Ragnarok.
Comme le premier, j'ai fait pareil, 100%. Et après du NG+, je pense pas que si jamais ça le NG+, ils rajoutent le NG+, je sais pas trop quoi en faire. Peut-être que je streamerai vite fait. J'en sais rien. Pas passer le temps peut-être. Mais ouais. Ça sera tout. Merci beaucoup d'avoir regardé. Ah, comme d'habitude, les vidéos de l'histoire sortiront petit à petit, parce qu'il y en a, je crois, 33 en tout, pour l'histoire principale, ou 34. Mais elles sont déjà disponibles pour les membres de la chaîne. Mais voilà. Ah, Stéphane ! Ah putain, ça fait chier. Ça fait chier que ce soit fini. Ah, ça m'embête. Ça m'embête. J'avais envie que ça continue. Vraiment cool. Allez, portez-vous bien. Merci beaucoup d'avoir regardé. Bonne chance à vous pour votre run. Et à la prochaine. Ciao.